15 minutes ça fait. Là elle est là, F1. La F1 elle met 5 secondes, 6 secondes de plus que le premier en Ligue 1. Pilote de ligne droite. Mais je crois qu'il court plus l'autre. Ouais, il a fait une sortie de piste, je sais pas. C'est pas Monaco, c'est en Allemagne, Hockenheim. C'est les essais ou les qualifs? Attends. C'est les essais ou les qualifs? C'est les essais ou les qualifs? Ah, c'est une course. Demain, il y a aussi une course. C'est le fils qui est passé en retournant. J'ai un ami qui est là-bas aussi. Vas-y, dis-lui qu'il vient là. Il est dit. Il y a une V6, 10 qui tourne en direct. Ouais, il y en a une, ouais.
c'est juste là, le stand là, je te la montre après. C'est une Jaguar de 2004. Là, il va arriver là, c'est le premier lui. Et la gagne. Position 1. Christopher. Et si vous pouvez vous abonner à lui sur Instagram. Christopher Brenier sur Instagram. Félicitations. En fait, on m'a fait venir pour chez les gagnants, tu sais. Chez les vainqueurs. Hein? Après, il y a son père qui va arriver. Et le père, il a fait combien? Hein? Gilles, combien? Second. Gilles, second. Deuxième. Premier, ouais. Gilles. Deuxième. Deuxième. Ok. Deuxième en catégorie. Pero, deuxième, ouais. Est Formula 1. Ah. C'est différente catégorie. Ok. Ça, c'est le père qui arrive. Deuxième de sa catégorie. Elle est là, la F1. Tu peux demander au chef les différents types de monoplaces. Je vois plein de monoplaces différents. Après, ce que vous pouvez faire, attends, je te réponds comme ça. Répondre, parce qu'il a un TikTok et ça marche aussi. C'est, je vais lui demander, mais je te mets quand même son. Je te réponds là, ça c'est son TikTok. Si tu veux t'abonner à lui, il fait plein de vidéos, il explique plein de trucs. Bravo les gars! Ouais, ils sont curieux. Et salut Yacoub. Attends, je lui pose quand même la question. Mais là, il discute, je le laisse discuter. Ok, merci, c'est cool. Bravo à Chris, du coup. Ouais, si vous voulez bien vous abonner à lui, ça serait cool sur Instagram. Christopher Brenier sur Instagram. C'est monsieur là. 30 ans. Et son père, il a 65. Le père, c'est son écurie. Je chauffe. Et puis les 400 derniers tours. Il a 61 ans, pardon, il vient de le dire. Je crois que c'était 65. Attends, c'était quoi la question? Tu peux demander, chef, les différents types monoplaces. Je vois plein de monoplaces différentes. Attends deux secondes, je te le passe. Retournez. Aussi, on peut leur dire félicitations, Steph. Bravo pour ta première course dans l'équipe. Première victoire de la voiture. Et pourquoi vous pouvez venir avec les gagnants en direct? Et vous, c'est où vous? Je sais pas. On a perdu vous. Et dans l'estance, je pense. Tiens, j'ai une question pour toi. Peux-tu demander au chef les différents types de monoplaces? Je vois plein de monoplaces différentes. Bah déjà, faut savoir que c'est pas des F1 dernière génération, ni des voitures historiques, c'est des voitures qu'on appelle post-modernes, c'est-à-dire entre les années 95 et 2010-2015 en gros. T'as la F1 comme la Jaguar, ça c'est une vraie F1,
Ça, c'est une Super League. C'est une voiture qui est concurrente à la Formule 1, mais qui est un peu moins rapide qu'une Formule 1 moderne, mais plus rapide qu'une vieille Formule 1. Et après, il y a des F2, des GP2 et des F3. Et le but du championnat, c'est comme la course de côte, tu as un classement scratch, du premier au dernier. Et après, tu as un classement par catégorie. Donc la catégorie des F1, mais là, le mec, il est tout seul parce que ses potes, ils sont tous tombés en panne. Normalement, ils étaient 3. Après, il y a nous, Super League, F2, GP2. Donc là, on a fini premier, deuxième de notre catégorie sur 7000 voitures. Et après, tout à la fin, il y a les F3, mais ils n'étaient pas beaucoup non plus. C'était que 2 ou 3 là. Les formules et les 3.5, quoi. Voilà. Ok. Merci bien. Explication compliquée et sympa. Je vais donner ton compte, comme ça, elle sabote. Voilà. Ils peuvent poser des questions en direct. Ouais, ils peuvent poser des questions en direct. T'as tout compris? Putain, je vois rien. Merci des réponses, monsieur, c'est très intéressant. Ok, je vois, merci pour sa réponse. La fin de mon ami. Et ça fermait, c'est quoi? Les seules fermées, ah, c'est les LPM. LPM, et c'est je sais plus quoi. On peut l'avoir. Moi, j'ai compris. Attends, je vais t'emmener à le stand. On m'a aussi invité là-bas. Ils m'ont reconnu au TikTok. Il m'a dit, vas-y, tu viens après. Je vais te montrer. Ça, c'est la première place. Celle-là, c'est la deuxième. Donc les deux, c'est les mêmes. Hein. 750 kg et 750 chevaux. Après, t'as la Formule 1 qui est arrivée troisième parce qu'elle s'est arrêtée gonfler les pneus, je sais pas pourquoi. Donc elle a 860 chevaux pour 600 kg. Et là, ils vont la rentrer. Ah ouais, LMP, voilà, c'est ça. Et il y a aussi CP02, je sais pas quoi. En même temps, l'autre catégorie. Après, je suis nul en voiture, hein, je te le dis. Ça, c'est la Jaguar 2004. La F1. Ah, ok, fermé, LMP. Si on peut acheter les combinaisons, on peut les avoir, merci. Ah, je sais pas, j'avais. Prototype, c'est les LMP1 et sûrement les LMP2, le Mans. Hello Gaboche. Vas-y, je te montre l'autre stand qui veut que je vienne là. Donc là, t'as toutes les voitures. Allez. Tu m'as reconnu alors je dis bonjour. Mais oui, mais oui, longtemps. Salut. Et salut, le magique. Ah. Merci pour ce que tu fais, c'est cool. Ah, de vrai ouais. Ça peut servir. Vu comme il souriait, j'avais compris qu'il m'avait reconnu. Donc, du coup, c'est que des pilotes amateurs. Je sais pas. Tu cours, du coup. Si j'ai bien compris. Non, t'as pas compris. Non, je cours pas. J'aimerais bien essayer, tu vois, mais. Non. J'aimerais trop. Depuis que je suis petit, je voulais faire pilote de rallye, j'ai jamais eu l'occasion. À part m'acheter une Clio Williams là, et m'amuser un peu quand j'étais jeune. Mais à part ça, jamais pu. Dommage, ouais, grave. Rebelskins.com. Donc celle-là, ils ont couru ce matin là, tout ça. Porsche, Ferrari, celle-là, c'est elle qui a gagné ce matin. C'est celle-là qui a gagné. Celle-là, elle marche fort. Hein. Elle est doublée toute en ligne droite. Ouais. Demande un petit baptême. Ah, ça serait bien. Trop de fric en jeu. Ouais, c'est clair. Ah, ben ils vont. Ah non, c'est pas eux. C'est quoi comme course là? Là, il y a une Renault, je savais même pas qu'ils faisaient ça. Ça, c'est une Renault. Je sais plus c'est quoi, C1 ou je sais pas quoi, Renault, quelque chose, avec un 1. Commence par pilote essayé chez Bugatti, c'est à la maison. Quel événement? Je sais pas, ça c'est une Ferrari et c'est là où je peux aller. C'est ici.
Je connais pas le nom de l'événement, désolé. En train de manger l'équipe. Bon après t'en as plein d'autres, hein. Ça continue. Salut Jean-Marc. Là maintenant on va falloir nettoyer les pneus. Avant on a nettoyé toutes les jantes. Il y en avait je sais pas 16 je crois, 16 pneus, on a nettoyé. 16 roues. Ah c'est Matt, pardon. C'est vrai que t'as changé de truc. Ça va Matt? Ouais. Putain, c'est le bordel ici, y'a pas de place. Je suis où? Je suis à... comment t'appelles ça? Hockenheim. En Allemagne. Steve, toujours en train de filmer les arrières. Des filles, hihi. J'ai même pas vu de filles, qu'est-ce que tu racontes? Il y a même pas de femmes. N'importe quoi. Et Steph, t'es un ouf ou quoi? t'es devenu gay? Oh putain, il y a du coca. Il y a du coca, mais c'est du zéro, merde. Salut Matt. Ah ok, j'ai cru que tu étais à Monaco. Non, non, je suis en Allemagne. Il n'y a même pas de femme. Ça c'est la Formule 1 qui vient de passer. Ça c'est leur camion, donc ils mettent la voiture là-haut. Ça c'est le camion, tu vois comme ça monte. Ouais, bah tout en haut. Les filles, les voitures, ils parlent du cul des voitures, je crois. Ah, je sais pas. Salut tous des Uruguay. Salut José. Si juste avant celle en short blanc derrière la remorque de la 35. Ouais, j'ai pas fait gaffe. En fait quand je regarde, je lis vos commentaires, je regarde pas ce que je vois en fait. Si tu veux, je fais ça, quand je bouge, je tourne avec ma main, tu vois. Et je lis. Ah ouais, ils ont le podium normalement, non? Dans le podium je pense. Ah il est là-bas Mousse. Putain je vais montrer le podium. Y'a quoi qui roule maintenant? Je sais pas.
papa. Et maintenant le premier. Easy Formula, Christophe Aprenier. And the team representative of Easy Formula. Ça va, t'es pas déçu d'être venu? C'est ça maintenant. Ça change les chantiers. Ah ouais, c'est clair. Steph, oui, il est fait l'innocent. Non, tu sais quoi, si je te filme un cul, je te le dis, je m'en fous. T'es prêt, Steph? Voilà, là j'ai filmé un cul. Mais je lis toujours les commentaires en fait, c'est pour ça. C'est la F3 qui va courir. Je sais pas si c'est possible. Bravo, bravo! Donc, premier le fiston Christopher, deuxième en rouge, en orange, c'est le père Gilles. On peut y aller? Good. Voilà. Hey, c'est ce qu'ils disent, Mousse, dans le live. Ils disent que je filme les culs. Ils disent que je filme des culs alors que je lis. Je tourne comme ça. Et alors, je leur ai montré les fesses de la dame là. J'ai dit, maintenant, je te le dis si je filme un cul. Là, je te filme un cul de voiture, tu vois. Non, c'est vrai en plus, regarde, je te montre comment. J'ai pas à me justifier, mais je te le montre quand même. En fait, quand je filme, je fais ça et je lis vos trucs et j'avance et je fais ça et voilà. Salut Mousse! Putain, il fait chaud. Moi, il faut pas trop que je reste au soleil, vu que j'ai un coup de soleil. Tu veux que je l'enlève, la dame? Non, c'est bon. Ah non, il va aller rentrer. Attends, pour la photo! La photo! C'est bon! Vas-y, fais la photo! Je voulais faire les deux voitures en photo. Attends, je voulais faire les deux voitures. Regarde, lui, il peut faire un baptême. Allez, vas-y! T'es sur TikTok là? Tu veux un coup de main, quoi? Il a eu la coupe. C'est comme tu braques. Ah, t'es à fond là? Ah ouais? Je pensais que ça braquait plus. Je filme ton cul, hein. Là je le filme, tu vois. Attention à ta cuisse là. Attention. Presque il se prend les pieds dedans, c'est ouf. En fait, il m'a expliqué avant, c'est plus chaud de ce côté intérieur que là. C'est vraiment plus chaud. Ah, ça se bouge tout seul. Ah, va au volant.
C'est vrai que c'est à combien de degrés là les pneus? C'est quand même chaud hein. 80 degrés. Attends, ça passe pas, si? Non. T'es bien chef toi, tu tires même pas. Ouais, je vois ça. Fais gaffe derrière, il y a le chariot. Oh putain. Tu veux quoi? Et pour aujourd'hui, c'est fini, c'est ça? Ouais, là, alors il y a d'autres courses maintenant. Ouais. Il y a les courses de voitures. Ce qu'on va faire, si tu veux, là, je leur dis ce qu'il faut un peu faire. Et puis, je vais vous amener avec nous voir une autre F1, là, celle qui n'a pas roulé, qui est jolie, là, qui est un peu plus moderne. Ouais. Et après, on pourra aller voir la Renault, là, si vous voulez, là, chez mon pote. Là. Ouais, on va voir la Renault. Voilà. Ça marche. Tout en aluminium. Là il va dire ce qu'il doit faire. Le chef il va dire ce qu'il doit faire. Après on va voir la Formule 1 qui n'a pas tourné parce qu'elle est cassée. D'accord. Et après on va voir la Renault, là, l'équipe de Renault, qui connaît aussi. Et en fait si tu veux savoir comment est une voiture en dessous, regarde, je te montre. Takes years for an orang to learn how to find its way in these forests. And today's changing climate makes life even tougher. And that isn't all she has to contend with. Rainforests around the world are disappearing faster than ever before. Her future, like that of all jungle life, has never been less certain. Deserts. Scorched, desolate, hostile, but alive. One million hungry bats forced to leave the safety of their cave before nightfall. The sun is so powerful here, there's barely anything to it. The bats can only catch enough insects by leaving early. But in daylight, they're dangerously exposed. Wait for them. Desert. Timing is everything. Get it wrong, and you pay the price. The sun governs.
governs the rhythm of desert life. And the animals that make their home here are at the mercy of its power. Above me is a nuclear reactor, almost a million miles across. Every second, the sun spits out more energy than humans have used in all our history. And nowhere is its power more potent than in the desert. Amazingly, there are animals that spend their lives in this scorching heat. But now the hottest places on Earth are getting even hotter. And even the most resilient creatures are facing a fight like never before. Rule begins. From now on, survival gets tougher by the hour. Nubian ibex make their home in the highest, steepest corners of the desert. A daunting place to raise two kids. But their greatest challenge comes from the sun. In the last few decades, heat waves have become more severe. They need water, but it lies 1,000 feet below. It's a perilous journey for kids only a few days old. But their soft-soled hooves grip like climbing shoes. And they appear utterly immune to vertigo. Grows on these steep sun-baked slopes. All that's underfoot is crumbling rock.
sudden downward by the sun, the family's journey is almost over. But now they no longer enjoy the protection of the high cliffs. Arabian wolf. He outweighs an ibex kid 10-1. In this desert, he's the ibex's most feared predator. Family upslope. She has a slender advantage. But falling rocks won't stop him. Kids have unbeatable agility. But lack experience. There's nothing the mother can do. Now she will focus all her energy on protecting and providing for her remaining kid. Deep in the canyon, sheltered from the sun, it's a different world. This is what they risked everything for. The desert's most precious resource. A lifeline. But a costly one. As the sun climbs higher, its power intensifies, tightening its grip on desert life. In some places, it seems miraculous that anything can survive. The temperature here is rising 3 times faster than the global average. This mining town was abandoned over 60 years ago. Some believe these buildings are haunted.
was stalking this ghost town. It's very much alive. In Africa's Namib Desert, a brown hyena has set up home in a ghost town. This desolate landscape seems impossible. Yet less than a mile away, the desert meets one of the richest seas in the world. Life to the Namib. Thousands of Cape fur seals. Pups could be an easy target. 15-pound pools of blubber, totally unsuited to desert life. Black-backed jackals are also on the hunt. But the pups have formidable bodyguards. This size, there are plenty of other opportunities. A placenta from a recent birth. With three pups of her own to feed, the hyena needs a bigger meal. As the land heats up, bodyguards retreat to the sea. With sharp teeth, even a lone pup can put up a brave fight. It's easier to wait until the sun takes its toll. Disoriented by the punishing heat, this pup strays into the desert.
Now it's time to relax during the heat of the day. Even now, with temperatures still rising, not all animals can afford to rest. These meerkat pups are just 5 weeks old. They still have a lot to learn about desert survival. It's a dry season. Rain is 6 months away. And the closest river hasn't flowed in 7 years. Finding food is the toughest challenge. Most of it's hiding under sun-baked soil. With adults on guard duty, scanning for danger, ready to sound the alarm, it's safe for the pups' lessons to begin. First, digging. Harder than it looks. An adult can dig its own body weight every few seconds. But for a pup, it's easier to beg. Why not let the adults do the hard work? But not all handouts make for a simple meal. A scorpion. The adult has already disabled its stinger, but its pincers are still fully functional. Learning how to deal with dangerous animals is a vital desert skill. All too soon, it's time for a break. They need to find shade in the searing sun. But lessons aren't over yet. In Africa's Kalahari Desert, a young meerkat is face to face with a Cape Cobra. One on one, he's in big trouble. But when his family hear the call, they race to the rescue. This will be one of the most important lessons of all. How to handle a venomous cobra. If they can't see the snake off their territory, the entire family remains at risk. Now know their secret to living in this inhospitable desert. Teamwork.
is approaching. School's over, and it's time to take shelter. For the next few hours, the sun's full power is unleashed. Very few animals can survive out in the open. This is the world's oldest desert. It's existed for at least 55 million years. And now the temperature is rising even higher. An extra degree or two a century may not sound much. But where creatures are already pushed to the limit, it could be fatal. At midday, the sand is hot enough to melt your shoes. The shovel-snouted lizard avoids burning its feet by dancing. Buckspore spider can survive higher temperatures than any other spider. Up to 120 Fahrenheit. But it's going to get hotter than that. She must work fast, weaving a blanket of sand to cover the entrance to her burrow, where she escapes the heat. Now, the sand hits 160 degrees. Yet for hot rod ants, it's the start of the working day. Alone on the dunes, they scavenge the sun's victims. Long legs are a lifesaver. Just a fifth of an inch up is 12 degrees cooler. And the hot rods live up to their name, running so fast, they create a cooling breeze. When it gets too much, they climb off the sand entirely. By pushing the limits of thermal survival, the ants can be active when their predators are in hiding. But even they must get back to the nest soon. Before they boil to death. The ants' struggles won't go unnoticed. Vibrations travel down silk threads to an underground lair. Thank you.
Sometimes the spore spider lets the sun do its killing. It will emerge later to eat its pre-cooked meal. Across the world's deserts, temperatures peak in the early afternoon. With barely a trace of life, these landscapes look like the surface of Mars. From space, the full beauty of desert geology is revealed. In Africa, the eye of the Sahara is 30 miles wide. A collapsed dome of rock, millions of years old. Landscapes like this will become more common. Deserts continue to expand in our warming world. Right now, the closest we have to a desert continent is Australia, the driest of all inhabited land masses. Drought has hit an area the size of California and Montana combined. In places, under an inch of rain has fallen in a year. Right now, survival is all that matters. Unlike smaller animals, red kangaroos can't burrow to escape the heat. Instead, they have evolved to be some of the toughest of all desert creatures. But at 115 degrees, even they begin to struggle. This mother and her joey are dangerously overheating. They must find shelter, and fast. Behold, the extraordinary natural world in all its unique beauty. Love nature. Love wildlife. Love Saturdays, with unforgettable journeys into the wild world. Destination Wild, tonight at 6 on Wild. Dive into Wild Europe, Sundays from 6 on Wild. Take a deep breath and immerse yourself in the stories of creatures in the deep, of secrets in the dark. Sundays in June, dive into a world both strange and wondrous. World Ocean Day starts the 4th of June on Wild. In Australia, kangaroo and her joey are dangerously overheating. They have one chance to escape. Shade cuts the sun's energy by 80%.
latecomers are not welcome. In the full force of the sun, this mother must draw on all her survival skills. Digging offers a little relief. Just 5 inches underground, the soil can be 50 degrees cooler. As a last resort, she uses precious water reserves. Evaporating saliva cools the blood in capillaries beneath her skin. But the heat keeps rising. Australia receives more solar energy than any other landmass. They barely have the strength to move. With almost nothing left to eat, they're all slowly starving. In the most severe drought, 80% of red kangaroos can die. Quickly mummify in the dry desert air. Yet a few of the very toughest kangaroos somehow manage to survive. When the rains finally come, their offspring will